Bonjour. Bonjour tout le monde. Ici Yakipon pour Ivasan Studio et puis on est encore, on va dire, sur Cadence of Hyrule, parce qu'on n'a pas fait le dernier DLC. Donc on va faire le dernier DLC, qui s'appelle la Symphonie du Masque, comme on peut le voir sur l'écran, hein, on adore aussi. Donc on va découvrir une histoire alternative dont Skull Kid est le héros. Voilà, c'était la plus grande présentation que j'ai pu faire, pardon. On est parti ? Est-ce que vous vous sentez prêt, déjà ? C'est la vraie question, c'est, est-ce qu'on se sent prêt ? De mon côté, je me sens prêt, à base de petites bougies, là. Eh oui ! Lance ! Ok, doucement. Je me fais insulter bientôt, quoi. La vie est trop courte. Ok. Pardon. Every world has its evils. Some wreak havoc in plain sight, while others lurk in the shadows, waiting for a poor soul to latch onto. Even those who least expect it are subject to the whims of fate. Bon, mais c'est parti. Petite musique là. Oh non, mince. Ouais, mais j'ai pas eu la première phrase, donc dommage. Voilà, on essaiera de faire attention en prochaine. Pour pouvoir énerver Jake. Avec la voix de la fée. Désolé, c'est pas moi qui choisis le jeu. Enfin, un peu quand même. Attention, grosse énigme. Ah. Vous avez tenu le luth. Assignez-le et on est content. Oui, c'est pour se téléporter. Bon, on se remet dans le jeu, ça fait 2 semaines qu'on n'y a pas joué. Mais là, je sais pas si on va pouvoir maîtriser le carré, cela dit. On est au village Mojo. J'imagine que t'as pas l'intention de t'aventurer à l'extérieur du village. De toute façon, le seul moyen de sortir, c'est de franchir cette porte infranchissable. Oui, bon, bah, ok. La musique est plus particulière encore. J'aime le fait qu'ils aient refait les musiques du jeu encore une fois en fonction des persos, tout ça. Ah, j'ai une pelle, tout va bien. Il y a une petite fille. Oh bonjour, mon père est de plus en plus distrait. Il a encore oublié son coupe-pétale dans les bus. Ah, bon, on va chercher un coupe-pétale. Non. Pas de coupe-pétale. Ça, c'est pas des buissons. Il y a un autre bonhomme là. Hyrule a changé depuis que Ganon a pris le pouvoir. À part notre petit bourg, le seul village encore debout est celui des Gerudo. Tout le reste a été détruit. Ah d'accord. Donc on est vraiment dans une chose alternative, j'allais dire, mais c'est pas ça. Bon, on avance. Qu'est-ce qu'il veut lui? Donc ça c'est le roi, j'imagine. Il semblerait que l'arbre Mojo veuille te parler. Écoute ce qu'il a à te dire et viens me faire un rapport. Ok, ben on va voir l'arbre Mojo. Ça tombe bien, on sait où il est, vu qu'on a fait 2 parties, et 2 parties on est allé dans le monde Mojo. Ah, j'ai pas parlé au bonhomme. Allez, je parle au bonhomme. Bon, salut Kodnav, grand-père est un peu bizarre ces derniers temps, il ne rigole pas, même quand je lui raconte mes meilleures blagues. Si c'est des blagues d'Ivasound, tu m'étonnes qu'il rigole pas beaucoup. C'est une vanne, hein. Commencez pas à vous énerver. C'est une vanne. La preuve, si ça vous a pas fait rire, ça veut dire que on soutient notre propos comme quoi il va s'en n'est pas drôle. Bref. Parlons, monsieur. Oh bonjour, c'est gentil de prendre le temps de rendre visite à une vieille branche comme moi. Il ne me reste pas longtemps à vivre. La pourriture qui ronge le sol a imprégné mes racines. Pendant ces siècles, j'ai assuré la garde d'un puissant objet magique, le masque de mort. Attendant que la vie me quitte, je dois te le confier, ce qu'elle quitte. Je ne sais ni ce que tu vas en faire, ni pourquoi, mais le destin veut qu'il te revienne. Descends donc dans le tronc creux à ta droite, récupère le masque et récupère le mât. Et rapporte le mât, pardon. C'est pareil, récupère, rapporter. Bon. La blagounette, ok, essaie d'être rigolole. Attends, c'est bon, je me fais pas tuer tant que je bouge pas. Ok, j'aime beaucoup cette musique. La blagounette. La blagounette. Une blague.
une blague. Attends, je me concentre, je cherche pas du tout sur internet, parce que de toute façon je ne peux pas chercher sur internet, vu que tout va bugger. Une blague. Ah ben voilà, elle est mignonnette, on va dire. Est-ce que... comment on sait que la chouette... Attends, non, c'est pas ça. C'est comment est-ce que la chouette sait que son mari fait la gueule? Parce qu'il boude, voilà. Alors, sinon, j'ai rien... Attends, sinon j'ai bien la blague du vaccin, mais j'ai peur de me la faire piquer. Rire. Je ne vais pas rire. On est parti avec la meilleure musique du... Enfin, c'était la musique qu'on aimait bien, on va dire dans... Ah, mais il avance, ça y est. C'est parti, on joue. J'ai même pas regardé quelle arme j'avais, mais apparemment, bon, c'est la première, donc... Regarde ce que tu as. Mais sur toi, c'est une bonne surprise qui accompagne déjà un autre notre surprise, moi, dans la même force de vie, si je me tente de toi dans la vie, mais sur toi, ça vient, parce que tu es sorti d'avant, que tu es comme les avant, que tu n'as pas combat. Pénible. On déteste la fée. Y a que Nino qui aime la fée. je sais plus comment on joue. Allez, c'est parti. On va pas prendre le sanctuaire parce que j'ai peur. Aïe aïe aïe. C'est bon, ça passe. Ok. On avance. Fallait pas avancer contre le mur, mais c'est pas grave. Ah, ça c'est bon, ça c'est un anneau qui nous plaît. Vilain. Titu. Et comment je les tue, eux? Mais je suis bête. Bon, mais de toute façon, c'est comme à chaque fois. Au début, on va se faire... On va mourir assez vite. Et après, on va pouvoir réussir. J'aime bien ce truc. Et comment je tue ça, moi? Dis bonjour. Ah, ok, c'est bon. J'ai compris comment on les tue. Allez, on avance! Oh, je vais me faire agresser. Y'a pas un marchand, s'il vous plaît. Merci. Déjà un Linel. Je vais mourir en fait. Bah oui, que. Oh non, tu as subi des commotions, mais tu n'as pas entendu les voyants, c'est avec toi. Ok, très bien. Mais Ah bah, je veux bien un cœur de plus, oui, s'il vous plaît, merci, au revoir. Mais déjà un Linel. Regamazir, il a dit wesh. Eh ben wesh alors, Ah là là. Ça commence très mal. Ça commence pas bien. Je me fais agresser partout là. Aïe aïe aïe. Mais ça dure combien de temps son poison à lui? Je sais pas. Allez, on va essayer de le tuer. Salaud. Sinon il va me poursuivre jusqu'à... Mais vilain. Oui, au début, on se soucie des diamants. Hein. Par la suite, peut-être moins, mais là, pour l'instant, on s'en soucie parce que ça sera le seul truc qui nous permettra d'augmenter nos pouvoirs.
que là, c'est un peu l'enfer. Genre, pourquoi dès le début faire un Linel? Loulou, il m'a trollé. Mais les monstres, ils ont tous des masques? C'est rigolo, vu que c'est la symphonie du masque. Ouf! Boum! Ok. On avance. Je loupe pas mal de pulsations, je sais pas trop pourquoi, cela dit. Attends, mais c'est vers où la porte? À part là-bas. Il y a un caillou devant, c'est pas grave. Ouais. C'est pas un Linel. Non, pas les squelettes, on a de... Non, les squelettes, c'est fini, on arrête de... Hein. Depuis l'autre stream, là, c'est plus de squelettes, ça, bon, ça suffit. Je peux pas maîtriser mon carré avec les squelettes. Non, mais... On sait toujours pas les tuer. Pour être plus en rythme sur les pulsations, écoute ton radiateur, réchauffe ton cœur. Hé, y a pas le radiateur, alors, hein? Calmez-vous. Ah non, là, y a pas le radiateur. Je refuse d'entendre ça. Enfin, du moins pour l'instant. Il fait assez bon dehors, donc monsieur le radiateur refuse de fonctionner pour le moment. Oh là là, mais c'est pas possible, je fais n'importe quoi. Hein. Mais après, les niveaux là sont vraiment générés aléatoirement. Enfin, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais... Oh non, mais pas dans la flotte, pas dans la flotte, idiot bête, pas dans la flotte. Et c'est parce que tu m'as dérangé, toi aussi, avec mon radiateur. Allez, c'est pas grave, comptez pas ça, là. Mais je peux pas creuser, j'ai pas de pelle. Oh, punaise. Non, mais... Je fais n'importe quoi. C'est quoi, ça? Le sanctuaire de Coral. Ça fait quoi? On ne saura pas. Très bien. Mais c'est pas possible, va-t'en. Allez, vite. Ok. J'avais pas vu le trou. Mais... Après, Skull King, il fait des petits bruits mignons. Hein. Je vais mourir. Déjà, j'ai qu'un demi-cœur. J'ai peur. J'ai pas d'armes. Et j'ai peur du champignon. Je vais jamais y arriver. Ok. Faut prendre le cœur. Ok, vite, on y va. Non. Non. On va faire un test. Ok, c'est bon, j'ai plus vrai gêne là-dessus. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on met? Magnifique run, je mets un point pour l'encre. Faut décaler le chat de l'écran de 5 pixels vers la droite. Ah, mince. Ok, on fait ça. Ouais, non, on va pas faire Navi. Alors, 5 pixels vers la droite, le chat, c'est parti. Le chat, 5 pixels à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que quelqu'un peut faire un test? Je vais faire un test moi-même. Test. Est-ce que tu préfères ou... Attends, il faut que je sorte de l'inventaire. Voilà. Est-ce que tu préfères? J'attends un peu, c'est pas grave. Test au carré. C'est un test. Faut voir Ralga et ses trois icônes. Ah mais oui, mais il est casse-noix lui aussi.
Ça a l'air d'aller, je crois. Ah non, il y en a une qui s'affiche pas, je crois. Si ? Je sais pas. Bon, quand vous écrivez, tu me le réécriras. On continue. Ah, trois icônes et un pseudo long. Ouais. Bah, est-ce qu'il faut qu'on voit les trois icônes ? Est-ce qu'on doit voir les épées ou pas ? C'est la grande question. Parce que dans ce cas-là, il faut que je le décale encore plus. Oui, non. C'est vrai qu'il faut que j'attende au moins 7 secondes. C'est le direct. Oui. Oui, je vous entends. Épée Modo, non, je crois pas, mais c'est perturbant de voir le first coupé. Ok. Là, il était pas coupé de... Pas de souvenir, mais... Là, de visu, il était pas coupé. Non, c'est bon. Ouais, je crois. Bon. Eh ben, on verra. Allez, on avance. J'ai pas de clé. Allez, on continue. Je me suis fait éclater, j'ai rien compris. C'est rigolo, il avait un masque de la peste, j'ai oublié comment il s'appelait. Le first est toujours coupé. Ah bon ? Voilà, ça devrait le faire, il serait plus coupé. Bon, c'est pas grave, coucou Imagiro. Ah, j'ai pas vu, coucou Imagiro. Ralga, normalement, tu peux... Voilà, t'as compris. Mais c'est parce que j'ai pas fait transition, c'est pour ça. C'est bon, c'est fait. Oh, quel idiot bête. Il faut que je m'y fasse aux transitions. Voilà. Ah, mais on voit pas l'épée, regarde. Oh, mais c'est pas possible. Attends. Là, voilà. Transition. Allez, on est bon. C'est bon, on voit l'épée, on voit tout. Allez, on avance. Le chat, c'est bon. On voit pas les pets. Quoi ? Non, mais... Moi aussi, je lis pendant que je joue. Vous êtes pénible, vous me faites perdre. On voit pas les pets, prout. Quoi ? Bon, je comprends plus rien, moi. Laissez-moi jouer à mon jeu, s'il vous plaît. On va prendre au moins ça, et au moins ça, et on va y arriver. C'est le premier donjon. C'est le premier donjon, j'arrive pas à le passer. En même temps, quelle idée de me mettre un Linel sur la première run et sur les deuxième et troisième. Comment ça s'appelle ? Un maître Stalfos jaune. Quelle idée de me mettre ça. Bah, c'était soit ça, soit. Je prenais le champignon, au final, je prends le champignon et le trou. Je suis vraiment incroyable, hein. C'est... Je vous propose un gameplay incroyable aujourd'hui. Ne venez pas râler. Je sais que je suis mauvais. Mais pourquoi je perds de la vie ? C'est poison, ça il dure 20 ans et demi. Aha ! Bim ! Allez, c'est parti. Alors quoi ? Vivre dans un donjon, c'est difficile, et je préviens, les pseudo-longs et les badges, ça dégage sur le nouveau design. Oula. Mais on pourra plus voir que tu es le premier donateur de bits. Bits, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des bits ? Oui. Oh, j'étais en contre... J'étais pas en maîtrise du carré, là. Oh là là, mais je me fais éclater, c'est incroyable. Alors qu'on recommence le premier niveau. Je pense qu'on va farmer les diamants pour choper le cœur, hein, parce que là, c'est... Ah oui, j'ai pas pris de torche ni rien. Hein, Là, j'y vais vraiment à poil. Hein, c'est... Ah, quoi ? Je sais quand même où je suis, c'est de remplacer mon gamin sur casse. Au revoir. Ok. Ok, bon, on est moins à poil. Bim ! Ah, j'ai une clé. Bah, les clés c'est bien, mais les diamants là c'est mieux en ce moment. Autant j'étais pas
forcément à fond sur les diamants, sur les premières runs. Enfin, c'est-à-dire les premiers DLC, tout ça. Autant là, ouais. C'est un mode extrême, ce masque. Eh, je vois ça, ouais. Je peux pas maîtriser mon carré. Mais l'autre, il m'envoie un boomerang. Et je me fais fesser par n'importe quoi. Allez, ça dégage. Les champignons, ils sont horribles, hein. Heureusement que j'aime pas les champignons. Maintenant, je comprends encore mieux. Là, ça se passe pas mal. Mince. Oui. Oh non, mais c'était pas le vrai boss. C'était une salle de monstres. Oh non. Bon, mais ça s'est bien passé, on va dire ça. Je vais pas prendre le sanctuaire de la mort, hein. Ouf. La la la. On adore l'automatonner. C'est le meilleur instrument du monde. C'est pas vrai, mais j'y crois. Ok, non, je veux pas une pelle en verre. Le premier coup, elle va se péter et je vais râler. J'ai raté la première plus. Non mais encore un Stalfos. Ok. Ouh. Dégage. Mais... cette tête, mais... ah, j'en ai marre. Alors, qu'est-ce que vous racontez encore comme bêtise? Est-ce qu'on peut dire que Cadence of Hyrule, c'est un peu Mask Singer? Non. Si c'est comme sur TF1, probablement un simili personnalité pas connue ou oubliée. Oh là. Oh là. Ça balance. Bon, c'est pénible, par contre. Je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que j'ai une arme nulle. Qui tape juste devant moi. Et ça me plaît à moitié. La la la. Oh. Bim. Fallait pas se mettre dans l'eau. La la la. Mais... oh, je le vois même pas, le machin. C'est du cheat. Et je fais n'importe quoi. Bon, j'ai une peine. Pif. Au revoir. Je veux le diamant. Ok. Bon, lui, c'est 1 sur 2, comme quasiment tous les monstres. Bon, j'aurais pu le taper, au lieu de reculer. C'est le champignon, mais quel enfer. Au revoir. Ok. J'ai peur. J'espère qu'il y a un diamant là. Ce n'était pas un diamant. Comme dirait l'autre, brillant comme les diamants. Hein. Non, on va pas faire ça. Bon, on va faire la première salle de monstre, on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, c'est parti. Allez, le champignon. Oh, ça a explosé sur le truc à côté. On va peut-être se... on va peut-être se régène sur le... sur les... comment ils s'appellent ces monstres-là qui crient? Les effrois, je crois. Oui, ça là. C'est ça là. Ça. Ça, je crois que c'est un effroi. À ne pas confondre avec le nez pendant l'hiver. Je suis en train de prendre des dégâts inutiles. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va. On s'est régène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Relgamaziel a offert un abonnement de niveau 1 à Yakipon. C'est son premier. Eh ben, merci! Je dis merci. Comment on fait? Remercier, remercier. Merci. Non, mais on va faire un petit message un peu perso. Merci, oui. Voilà, gros message perso. Message perso, oui. Non, en vrai, merci beaucoup, Raga. Je préfère le faire à l'oral.
pour essayer de me concentrer sur ma mélodie du masque qui est un peu répétitive là, cela dit, la mélodie. C'est la mort, la mort et la mort. Bon, on y croit là, je suis full vie. Je maîtrise pas mon carré parce que c'est pas la même arme, mais je maîtrise mon petit coup de poing nul et... Non mais aussi, s'il y a des cercueils, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après, tu vas me dire, les cercueils, au moins je peux les... Ah! Non! Alors... Ah, j'ai compris! J'ai juste à faire ça. Je mets un coup, je recule, et j'ai un bourre la tête, et bam! Eh, j'ai réussi! C'est grâce au cadeau, ça. Est-ce que t'as fait ça exprès pour avoir une autre icône et pour que je redécale le... vilain. Bref, vous avez obtenu le masque de mort, il ne peut être porté que par Skull Kid. Une mystérieuse aura en émane. Appuyez sur R pour passer d'un masque à l'autre et changer de même coup l'arme et les cap... Non mais non! Donc là, je suis en masque de mort, mais c'est quoi mon arme? C'est... Ah, bon, alors je me suis spoil, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 masques. Eh ben, j'ai pas fini. Mystérieux masque trouvé dans les cavernes Mojo peut rendre les coups fatals, attaque avec une lance. Eh ben voilà, on a trouvé notre meilleur masque. J'ai une icône en plus, mais ça en a enlevé une autre. Très bien. Bonjour, merci cordialement. C'est le meilleur cadeau du monde. Merci, bonjour, au revoir. Voilà. Bon, on a le masque. Pourquoi? Ah mais il faut ressortir. Bon, ben on va ressortir. Il y a plein de coffres. Et j'ai 5 diamants, donc à ma prochaine mort, j'ai un cœur en plus. Bon, ça va au final. J'ai mis quoi? Je sais pas. Où est mon timer de stream? Je le vois pas. Oh bah c'est bizarre ça, pourquoi je vois pas le timer de stream? J'ai mis... Allez, on va dire 20 minutes pour faire le premier donjon, ça va. Ça va, arrêtez de me critiquer aussi. Alors, un... Ouh, c'était le meilleur... Oh tain, j'aurais dû dire ça. Merci, un... Oh, te revoilà, c'est un soulagement de voir que tu as réussi. Skull Kid, je dois te dire quelque chose. Il y a quelques années, tu es apparu dans ces bois soudainement comme sorti de nulle part. À l'époque, j'ignorais pourquoi le sort t'avait envoyé chez nous, mais j'ai compris maintenant. Skull Kid, ton destin est lié à ce masque. Tu es capable d'utiliser son pouvoir. C'est à toi qu'il revient de vaincre Ganon et de mettre fin à son règne mortifère. Commence par te rendre au village Gerudo et à la montagne de la mort. Oh. Pardonne-moi. Mon temps touche à sa fin, je suis très fatigué. Je dois croire en toi... Non, tu dois croire en toi-même, Skull Kid. Adieu. Bah, il dort pas. Ah, si, ça y est. Ah, merde, oui. Bon. Eh, grand-père, j'y arriverai, oui. Bon, on a un nouveau masque, on peut attaquer avec une lance, ce qui rend le jeu beaucoup plus facile, à mon goût, pour moi. Allez, on joue. La moustache de l'arbre Mojo. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tant que j'y pense, désormais, Akipon, faut terminer les streams par cordialement bisous. Coucou Imagiro. Cordialement, bisous. Ça va être notre marque de fabrique? Ok, ça me va. Il faut me le rappeler. Je pense que les premiers, ça va sauter, le cordialement bisous. La moustache de l'arbre Mojo. Philippe Martinez s'est reconverti en avant. C'est pas possible. On aurait plus dit la moustache de José Bové, cela dit. Bon, maintenant que j'ai le masque, je vais dire bonjour au vieux. Alors, que dit le vieux? Alors, que te raconter cette vieille souche, à vrai dire, ça peut attendre, il y a plus important. Un brigand s'est emparé de mon coupe-pétale. Qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas là, ramène-le-moi. Ouais, ok. Je me fais insulter par la terre entière. Mais... J'imagine que tu n'as pas l'intention de t'aventurer à l'extérieur du village. De toute façon, le seul moyen de sortir, c'est de franchir cette porte infranchissable. Oui, mais ça, vous me l'aviez déjà dit. Mais la nana, elle avait dit que le... Peut-être que la nana, elle va me dire autre chose. Bonjour, mon père, de plus en plus distrait, il a oublié son coupe-pétale dans les buissons. Mais, faudrait savoir, il est dans les buissons ou c'est quelqu'un qui lui a volé? Je ne comprends pas. Bah non, il est pas dans les buissons, cela dit. Et toi, tu dis quoi? La même chose. Bon. On n'est pas rentré là-dedans, je crois, cela dit. Bonjour. Oui. Bienvenue au stand de tir, bonjour, c'est 50 rubis la partie. Non. Au revoir, j'en ai que 42 de plus. Oui, tu dois récupérer des masques là et pas des instruments. Ben j'en sais rien. J'en sais plus que toi sur le jeu. Ah, je pourrais faire une partie. Est-ce que j'ai envie? Non. Que dit le panneau? Bienvenue au village Mojo, parce que tu es l'illustre et puissant roi Mojo. Très bien. C'est incroyable.
dialogues de ce jeu sont vraiment travaillés. Mais il me dit qu'il y a un brigand qui... Ça veut dire que... Est-ce que j'ai loupé un truc là-bas ? Le net ou pas ? C'est tout pété. Quoi ? Votre stream est Votre stream est déconnecté. Génial, mais qu'est-ce qui se passe, putain ? On a internet ou pas ? Oh là là, j'ai pas pu mettre un espace. Attendez, on est bon là ? C'est revenu ou pas ? Ça a l'air d'être revenu ? Oui, non ? Oh putain ! J'en ai marre. Mais pourquoi on a des problèmes en ce moment sur Twitch ? C'est de retour, mais le jeu est enfenêtré. Non, c'est normal, c'est parce que j'ai gagné un objet. Attends, j'ai appuyé sur A. C'est pour... En fait, j'ai attendu, c'est le coup de pétale. Voilà, c'est bon, le jeu n'est plus fenêtré. C'est ok. Mais ah non. Ah non, c'est ok. Ok, bon. Et non, pas fenêtré. Oui, fenêtré, c'est que quand on a un objet, ça concentre, on va dire, l'image. Bref, je ne sais pas pourquoi ça a pété, par contre. La box n'a pas redémarré. C'est soit le service Twitch, soit le Streamlab, mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien d'ouvert sur l'ordi. Genre rien. Que dalle. Il y a Discord, et encore, je pourrais le fermer. Ouais, je vais le fermer. J'ai juste Streamlab et... Comment ça s'appelle ? Et le chat... Le chat du stream. C'est tout. Il n'y a pas eu une chute de débit pourtant sur les stats du stream. Ben ouais, je comprends pas. Je sais pas trop d'où ça vient. Mais j'ai vu le de suite écran bleu. J'espère qu'au rendu... C'est la faute à la manette, c'est toujours la faute à la manette. Ben non, je sais pas trop d'où ça sort, parce qu'on n'a pas eu de... Internet est bon chez nous. Monsieur C n'a pas eu de chute internet. Donc c'est soit logiciel... J'espère que c'est pas la carte d'acquisition. Bon. Eh ben, on reprend. Y a pas trop de décalage avec le chat quand vous écrivez, dû à ça. Savoir si je relance le stream ou pas du tout. Non, après, ça va faire 20 millions de puzzles. Ça va être horrible, quoi. J'attends le grand Manitou pour ça. On continue comme ça ? Tout va bien ou pas ? Micro-coupure internet d'une seconde, peut-être. Bon, ben, je sais pas d'où ça peut sortir. C'est bizarre. Est-ce que tu veux que je relance le stream, ou est-ce que je continue comme ça et on voit ce que ça donne ? Une seule solution, il faut un nouvel ordi. Oui, ça serait bien, mais dans ce cas-là, il faudrait une carte graphique, et pour avoir une carte graphique, ben, faut attendre mars, parce qu'ils sont tous en écoulement de stock. Voilà, à cause du Covid. J'ai déjà regardé. 15 secondes de décalage, c'est ok. Oi, oi, oi. Bon, si tu dis que c'est ok, tant que moi je vois vos messages, s'il y a un souci, ça passe. Bon, on continue, au pire, ben, je verrai comment je peux faire ça au montage, s'il y a vraiment eu un gros souci. Bon. Le son, si vous me dites que le son est bon en commentant, ben, on continue. Allez, on reprend. J'ai le coupe-pétale. Allez, go. Aïe, aïe, aïe. Mon coupe-pétale, tu l'as enfin réussi à te rendre utile. J'en ai marre de me faire trash-talk par tout le monde, par contre. Hein. Tchic-tchac. Ah, c'est le bruit du coupe-pétale. Ah oui, c'est la Bonjour qui m'a donné ça. Il m'a dit de t'en confier la garde quand l'heure sera venue. Magie du masque. Vous avez acquis la magie du masque. Elle est automatiquement assignée à elle et seul Skull Kid peut s'en servir. Skull Kid peut désormais débloquer le pouvoir spécial contenu dans ses masques. Utilisez elle pour effectuer une attaque magique. Chaque masque dispose de sa propre attaque. Et tôt. On va faire des tests. Ok, bah là je mets... Attends, bah on va peut-être regarder, non ? Ça c'est quoi ? Et là je me cache. Ah ! Mais quand je me cache, je tire une graine. Ah bah attends. Bah voilà, je... Eh, grosse énigme, hein ?
Ouais, bon, c'est une énigme. Bon, on va continuer avec la lance. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Lance, la vie est courte, au carré. Alors, perso, j'ai eu ma 3070 en une semaine. Eh ben, monsieur C, il a regardé, et c'est pas du tout les mêmes délais. De toute façon, tu mettais déjà 30 secondes à lire les messages de chat, on verra pas la différence. Oui, alors, vu mon setup, j'ai pas la télé, on va dire, devant l'ordi. Pourquoi ils sont invisibles? Ils essaient de se cacher, les vilains. Ah bon. Je fais de mon mieux pour vous lire. C'est vu le setup que j'ai, malheureusement, je peux pas trop faire autrement pour le moment. Peut-être un jour, mais là... Je ne peux pas. Allez, viens là. Kick. Mince. Ok. Mais t'es bon, pareil, quand tu viens au bout de... du dernier ennemi présent de l'écran. En cas de game over, tu perds tes rubis, mais tu conserves tes diamants. Tu peux les utiliser dans les boutiques spéciales. Voilà. On va prendre le quart. Hop, petit fragment de cœur. C'est toujours agréable. Bon, coffee time, qui veut? Moi, je veux bien. Non, mais il y avait un kappa pour signaler que c'était pour troll. Oui, je sais, je sais. T'inquiète, je l'ai pas pris... J'ai pas pris le message bien à cœur. Comme le reste de tes messages. Chut. Non, c'est pas vrai. Certains fait que vous utilisez une utilisation d'objets spéciaux pour traverser. Avec le nom zombie, utilisé de manière créative, tu pourras traverser la plupart des autres pour le papier d'un monstre. Quel objet je suis obligé d'utiliser là, je comprends pas. Oh là là! Il y avait déjà un Dark Knut! Et pourquoi il est mort d'un coup? J'en comprends pas. En fait, on est dans Dark World, je viens de comprendre. Je viens de comprendre le jeu, je crois. Et d'ailleurs, on n'a jamais regardé la carte. Un thé, une verveine, une infu au chou. Oh, il fait des super infus. La carte est petite, cela dit. Mais c'est la même carte du Dark World que quand on était avec le reste, je pense. Bon, soit. On avance. Je comprends pas, ils utilisent des objets de manière créative, à part... Mince, je suis en train de vider mon endurance. Oh non, la torche a disparu. Oh non, c'est quoi ces serpents? Mais c'est quoi ça? Plus tu arrives avec un ennemi sans manquer de pulsation ni subir de dégâts, plus tu cumules de puissance de négatif, plus c'est si oui. Un fût. Si tu continues suffisamment... Non, c'est pas ça, ça. Si tu continues suffisamment le temps, tu vas t'emporter un temps de diamant, t'as un endroit sur un terrain plus vite, les ennemis vont tomber vite, c'est vite, comme on est en... Voilà. Oh, se défendre avec une lance, c'est magique. Qu'on fait pas n'importe quoi. Pardon. Mais comment je fais pour les atteindre? Oh non, mais nos cailloux se sont heurtés. Bon. Là, pour l'instant, je pense que je peux pas traverser la... La rivière de glace. Ben là, on arrive vers un... Vers notre premier donjon. Je crois. Eto. Ah. Voilà. Attends, mais là, je vais glisser. Est-ce que le vieux, il veut me faire mal? Ah mais non, je peux pas descendre. Le vieux. Il est pas vieux, le pauvre. Bon, je vous laisse. Il semblerait que je dois justifier mon salaire et le réseau de la boîte Block Twitch. Ah mince. Bon, bah courage. Et merci d'être passé. Le bisou. Cordialement, bisou, pardon. Mais là, je vais tomber dans la flotte, là. Non. Non. Attends. Passer par là. Mais j'étais entoilé. Qu'est-ce qui m'a entoilé? Ah. Ok. Alors maintenant, on essaie de réfléchir un minimum. Comment atteindre... Vraiment, je peux aller là. Non, je vais aller dans la flotte. Non. Même lui écrit non. Mais... Après, si je suis idiot, moi, j'y peux rien. Hein, c'est... Genre, vous l'avez voulu comme ça, hein. Comment je fais pour atteindre ça, moi? Non, reviens.
Faudrait que je passe par au-dessus, en fait. Ok, on va tenter. Si je fais ça, ça passe ou pas? Là-bas. Cordialement, bisous. Oh non, non, non! Mais non! Mais non! Il m'a repoussé! Mais saleté! Mais! Voilà, va-t'en. Vilain. Je peux pas réfléchir. Non, je veux ça là. Alors, vers où je vais? Vers le bas? Oui, ça a l'air d'être là. Mais là, je peux pas y aller, si? Ok, c'est bon. Bon, au moins, il y a déjà notre pote le marchand. À l'aide. C'est un tempo assez rapide. Mais pourquoi je suis mort, là? Sorcier macabre de glace. Eto. Eto, j'ai peur. Oui, prends le cœur, oui. Et puis prends la petite torche, là, et puis... Et puis, ben, je vais mourir au moins 28 fois, là, c'est... Oh, chien. C'est quoi ce diablotin? On connaît pas. Vilain diablotin. Bon. Je vous avoue, je me fais un peu dessus, cela dit. J'ai pas de clé, donc je peux pas aller là. Je pense plus concentré que sur le dernier stream. Tu vas me dire. Non, non, pas coûte de l'endurance, ça va. Non, mais il a libéré José Bové et tout le reste. C'est la mouise. Mince. Oh, mais non. Bon, moi, je me suis fait un peu d'argent. J'espère que je vais pouvoir acheter un truc sympa chez notre super pote le marchand. Go. Go le marchand. Y'a rien. Très bien. Vilain marchand. Allez, go. Ça va. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui m'a décalé comme ça? Bon, c'est pas grave. On se concentre, hein, on peut le faire. Je suis bête. Ok. La clef. Je suis tendu, là. C'est pas bon. Mon petit cœur, là. Mon petit cœur de glace nul. Allez, go. On va là-bas. Il y a une porte avec une clé. Et on atteint le boss. Et on va pleurer. Oh oui, on pleure. Quoi? Il est déjà mort? Ok. Pourquoi je l'ai won? Ah oui, c'était écrit comme quoi le masque de mort pouvait faire des coups fatals. Du premier coup. Bref. Vous avez obtenu le masque Zora. Il ne peut être porté que par Skull Kid. Son aspect rappelle le visage d'un Zora. Appuyez sur R pour passer d'un masque à l'autre. Oui, d'accord. Donc ça fait quoi? Oh! C'est pas mal. Mais on va rester sur la lance. Attends. C'est quel genre d'attaque? Attaque avec une rapière. La rapière, c'est sympa, mais je suis pas ultra fan non plus. Bon, ben voilà, hein. Un nouveau masque. Ouais! VOD 5 minutes.
Non mais... Attends, et si je suis en Zora, je peux nager? Oui! Ouais. Ok, très bien. Je vais m'en sortir, promis. Je suis en train de prendre Bagdad les bains, là. Bim! C'est bon. No Bagdad. Ah, bah si, Bagdad. Je comprends pas. Un Daïra blanc. Mm-hmm. Eto. Prends une torche. Oui, tu peux désormais te téléporter là-bas parce que tu es mauvais. Oui, bravo. Je suis vraiment nul, hein. Voilà. Ah non, pas la rapière. C'est peut-être pour ça que je suis mort, en fait. Par contre, on glisse toujours, même si on est un Zora. Mais je peux me déplacer dans l'eau gratuitement, on va dire. Oula. Je vais faire le tour du château. Ta-ta-ta-ta-ta, je suis rentré dans le château. Ta-ta-ta-ta-ta, je suis rentré dans le petit château. Bon. J'imagine qu'ici, je ne peux pas y aller tant que je n'ai pas... Oh, non. On va tenter de voir ce qu'il nous demande. Vu qu'on ne sait pas trop. Allez, on va voir ce qu'il nous demande. Ah. Mais surtout, il y a une protégée par cette bombe magique. Si mes calculs sont corrects, il faut qu'on trouve des instruments magiques dans ce monde pour pouvoir passer. Ah, bon, mais il faut des instruments magiques au final. Jake, t'avais raison. Enfin, t'avais raison. Tu te posais la question, et maintenant on a la réponse. Où je vais? Je suis perdu, moi. Vous êtes vivant sur le chat? J'ai peur que ça ait sauté. S'il vous plaît, répondez-moi, je vous aime. Ok. Allô? Y'a plus personne? Test? Pouic. Bah si, ça fonctionne. Toujours Yann, toujours Boubou, Glarg. Ok. Ouais, fait peur. Le coup, c'est spécial pour le déverrouiller. Ah non, non, c'est zéro dégâts et zéro pulsation loupée. Ouais, j'ai réussi. J'ai réussi à rater. Donc on recommence. Mais... Ah, il était en hauteur. Mince, j'étais bien parti. Allez, on recommence. Ok. Oh non, il y a un truc là-haut. C'est bon. Ah, je suis content. Je suis pas si mauvais. Oh, mais les gants de puissance. Attends, mais faut aussi avoir tous les objets qu'on avait dans le jeu de base. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un jeu très difficile. C'est un DLC très difficile. Oui. Bon. On avance. On avance. Avançons. Je sais pas ce que je fais. À l'aide. Plif, plif, plif. Allez, go. Il nous avait dit d'aller à la montagne de la mort, mais elle est où? C'est quoi cette vache, là? C'est la vache de Cusco? Eh, j'ai été transformé en vache. Je peux rentrer chez moi, hein? Ouh! Ta-ta... Pa-ta-pa-ta... Pa-ta-ta... Attendez, on va faire un test. Je sais pas ce que fait mon truc. Ça. Comment je monte?
Je crois que j'ai tout raté là. Je peux pas monter là pour le coffre. Ou alors peut-être qu'il faudra que je trouve un objet plus tard, cela dit. Bon. Mais elle est où la montagne de la mort ? Et lui, je peux pas le tuer, le champignon. Attends. Meurs, champignon. Ah, il est mort. Attends, il est méchant. Hein. Et les coups fatals, c'est pas mal, en vrai. Ouf. Il va falloir que je réfléchisse un minimum pour comment monter, voir mon cœur. Hein. Ah, oh. Après, j'aurai la canne de Somaria plus tard, mais là, comment je fais pour le récupérer? Parce que j'ai un gant là, si je veux poser ça... oui, on peut le mettre là, si tu veux, j'en vais faire ça. Mais après, faut que j'aille chercher celui-là. Tic, 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 tic. Et est-ce que je peux faire ça? Et non, parce que je suis trop bas. Mais est-ce que je peux faire ça? Et non. Et non, Jamy. Aïe, je me suis cogné. Comment je peux faire là? Je ne sais pas. Ben, je pense que pour l'instant, je ne peux pas. Mais j'essaie de voir une autre solution, ça risque d'être compliqué. À part si j'ai un masque qui peut me faire voler sur quelques... cases. Bon. Et bon, continuez, on y réfléchira plus tard. Ah! C'est comme que rien, mais t'as plus des boutiques, tu dois tout trouver. Eh ben, ce fut rapide.